les amis, c'est super. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle minute Minecraft. Super Rick, super rapide. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment faire une salle des coffres compacte. Vous voyez derrière moi, j'ai mis 12 coffres, mais vraiment dans un espace très très réduit. Alors vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein. Et donc, on va pouvoir alterner des coffres normaux et des coffres piégés. Et ça va nous permettre de gagner de la place démonstration. Alors, on va tout d'abord commencer par faire des coffres. Dont les coffres, c'est simple, hein, c'est du bois que vous mettez comme ça. Ça vous donne des coffres. Il nous faudra aussi des tripwire hook, ou des crochets en français. Donc, il nous faut un lingot, ou un iron ingot, des sticks, ou des bâtonnets, et pareil, des planches de bois. Et ça va nous faire donc des crochets. Donc, c'est parti. Si vous mettez un coffre et un tripwire, ou un crochet, ça vous donne un coffre piégé. Allez, c'est parti. Ce qui fait qu'on va pouvoir du coup alterner nos coffres normaux, Shift pour pouvoir y cliquer dessus, et nos coffres piégés. Voilà. Donc vous avez des rangées de coffres piégés, et ici c'est des rangées de coffres normaux. Et voilà, et vous voyez, donc vous pouvez vraiment rendre le système très compact. Voilà, un super système de rangement, hyper compact. Voilà les amis, nous avons vu comment faire une salle des coffres hyper compacte. On va pouvoir stocker des choses grâce à nos coffres et nos coffres piégés. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et surtout à partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao.